Si vous voulez que votre business dans le domaine de la transformation soit prospère, c'est-à-dire dans le coaching, dans le consulting, dans la formation, dans les services, vous avez besoin de maîtriser ce que l'on appelle des conversations d'influence téléphonique. En d'autres termes, des entretiens dans lesquels un client pourrait devenir client, client potentiel pourrait devenir client. Mais si vous vous demandez comment se fait-il qu'il y ait autant d'objections, de préoccupations, de « je vais réfléchir, je le ferai plus tard, ici et là », dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 raisons pour lesquelles un client pourrait vous dire non. Et ensuite, quelles sont les solutions à adopter? Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à dépasser ces préoccupations de clients et les aider à eux-mêmes à se dire oui à eux-mêmes. Donc si c'est important pour vous de savoir comment faire pour aider votre client à se libérer, à avancer, à se dire oui pour sa propre transformation, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Premier point à comprendre, c'est que les objections en réalité sont des préoccupations. Ça n'a rien de négatif, c'est simplement des préoccupations et il est important pour vous de savoir y répondre. Mais qu'est-ce qui fait que ces préoccupations naissent? Eh bien, il y a des éléments comme ça qui sont faits lorsqu'on est en conversation d'influence, qui donnent naissance à ces réactions. Il est donc possible de les diminuer, voire les éliminer avant même d'arriver à la fin de votre conversation. La première raison qui pourrait encourager un client potentiel à dire « non, pas tout de suite, je veux réfléchir », c'est qu'il ne ressent pas votre véritable intention de servir. Il ressent une autre intention qui n'est pas la bonne et ça crée automatiquement un mécanisme de défense, un mécanisme de protection. Une envie de se dire, c'est pas forcément la personne qui prendra soin de cette situation qui est la mienne. Et ça, c'est très important que lorsqu'on est en conversation d'influence, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que dans le coaching, de la formation, dans le consulting, votre objectif n'est pas de faire une vente. Votre objectif n'est pas de signer un nouveau contrat. Votre objectif, aussi fou que ça puisse paraître, n'est pas de gagner un nouveau client. C'est l'idée principale que je transmets à mes conseillers en interne. Parce que lorsque vous êtes dans cette idée au départ, vous êtes dans cette idée de performance absolue, je dois faire un nouveau contrat, je dois faire une nouvelle signature, un nouveau client, je dois gagner de l'argent, etc., etc. Votre intention n'est pas l'intention de servir. Votre intention, c'est de convaincre, de gagner de l'argent et de réussir à la fin à signer un contrat. Et lorsque vous poserez des questions, lorsque vous serez pendant l'entretien, eh bien ça se ressentira. On sentira ces vibrations-là. C'est fou parce qu'au téléphone, on peut ressentir les choses. Si vous arrivez d'en douter, pensez à un simple coup de fil que vous pourriez donner à une personne que vous connaissez. Il suffit qu'elle ne soit pas très bien au téléphone, quelques secondes au téléphone avec elle pour lui dire « Toi, j'ai l'impression que tu vas pas très bien aujourd'hui. » Alors qu'en réalité, elle n'a pas dit grand-chose. Elle a peut-être dit quelques mots, elle tentait même de le dissimuler. Mais vous l'avez perçu et ressenti au travers du combiné téléphonique. Et votre intention peut se ressentir. Ce à quoi vous pensez peut se ressentir. L'objectif, la raison même pour laquelle vous êtes arrivé à cette conversation peut se ressentir. Et lorsqu'elle se ressent, il n'y a rien de mal dans un domaine traditionnel où vous arrivez dans un concessionnaire automobile et le vendeur vient vous poser des questions. On sait qu'il est là, il est focalisé sur la vente qu'il va faire. Mais lorsque vous êtes dans le domaine de la transformation, où il y a une personne qui a une problématique face à vous, elle a besoin en réalité que vous preniez soin de ça, que vous considériez d'abord la personne pour ce qu'elle est et ensuite la solution qu'on va pouvoir apporter pour sa vie ou pour son business. C'est la raison pour laquelle elle vous fera confiance. Parce que pourquoi le ferait-elle autrement? Et lorsque vous êtes focalisé sur cette intention de vendre, d'asseoir cette performance, vous n'êtes pas focalisé sur la bonne chose. Ma recommandation, pensez uniquement à servir. Pensez à créer de la valeur ajoutée. Soyez présent, dans le moment présent, pour écouter clairement ce que la personne vous dit, lui poser les bonnes questions et de la défier par moments pour bousculer un peu les pensées et les croyances qu'elle a dans un objectif de servir. Et lorsque vous aurez tous les éléments, vous pourrez lui dire clairement ce que vous pensez, ce qui serait bon pour elle, et ensuite, si vous pouvez l'aider, lui dire exactement ce qui est possible pour elle. Avec cette intention de vous dire, si elle le fait, tant mieux, si elle ne le fait pas, tant mieux. Mais au moins, je l'aurais dit, je l'aurais fait. La deuxième raison pour laquelle un client potentiel pourrait dire non, c'est un manque de clarté. Un manque de clarté pendant votre conversation d'influence. En d'autres termes, lorsque vous écoutez, ensuite vous parlez, vous donnez vos conseils, vous partagez plein de conseils du coaching parce que vous vous dites « si je coach la personne pendant notre conversation, je lui donne plein de conseils, elle verra sans doute que je suis exceptionnel dans mon art et elle dira bah, « absolument, allons-y, faisons affaire ensemble ». Or, là, ce n'est pas bien comprendre la psychologie humaine. Si vous donnez trop d'informations à la personne, elle risque d'être écrasée. Elle risque d'être écrasée par l'information. Elle a besoin de digérer cette matière et cette information. Il y a peut-être un moment d'enthousiasme qui arrivera en disant « waouh ». Mais ensuite, avec tout ce que vous m'avez dit ou donné, je ne sais plus quoi en faire. Il n'y a pas de schéma structuré qui me permet véritablement de savoir ce que je dois faire, dans quel ordre et à quel moment. Votre objectif, lorsque vous êtes dans ces conversations d'influence, c'est d'aider la personne à avoir un moment de clarté, pur, simple, en ayant exactement la clarté sur ce qu'elle vit,
la raison pour laquelle elle a vécu ça, et ensuite après, quelles sont les solutions possibles, et voir un peu la meilleure façon d'atteindre ces solutions-là. Et vous pouvez le structurer avec un schéma. Si vous avez un mécanisme de transformation dans votre entreprise, dans vos process, dans votre méthodologie, vous pouvez lui expliquer comment votre processus, votre mécanisme de transformation pourra solutionner sa problématique de façon simple et claire. Et lorsqu'il y aura un moment de clarté, la personne pourra se dire oui. Lorsqu'il manque cette clarté, bien souvent, à la fin, on est confus, on a simplement besoin de réfléchir. Troisième raison, c'est un manque de profondeur. Un manque de profondeur, cela veut dire que vous n'allez pas assez en profondeur dans les questions et même dans la relation. On reste dans un niveau de conversation de surface. Il y a trois grands niveaux de questions. Les questions de surface, superficielles, les questions plus profondes et les questions éprouvantes, qui sont encore plus que profondes. Et votre objectif, c'est d'au moins aller dans le niveau des questions profondes pour créer l'émotion nécessaire. Lorsque vous posez par exemple des questions, quelle est la problématique aujourd'hui qui vous touche ? La personne vous dira probablement « je me sens pas bien parce que je suis un peu en surpoids, j'aimerais bien perdre du poids ». Et puis vous direz « ok, vous devez perdre du poids, combien ?» et ainsi de suite, et à la fin vous proposez une solution. Là, vous êtes dans une conversation de surface. Il n'y aura aucune raison suffisamment forte et puissante pour aller commencer maintenant une transformation. Qu'est-ce qui motiverait un de vos clients potentiels à aller plus loin dans sa propre démarche de transformation si tout cela semble si superficiel? Vous avez besoin de creuser en profondeur, comme l'image comme ça, creuser pour aller chercher l'or qui est derrière cette surface que l'on voit. Et pour ça, vous avez besoin de poser des questions plus profondes, des questions ouvertes. De quelle manière? Quand vous me dites ça, pourriez-vous m'en dire davantage sur cette situation? Et comment ça se manifeste au quotidien? Et qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Ce sont des questions profondes qui vous aideront à créer une véritable connexion et qui aideront votre futur client à se dire oui, simplement. La quatrième raison, c'est un manque de leadership. Un manque de leadership, c'est lorsque vous êtes en conversation d'influence, vous avez besoin de porter la casquette de leader. Le leader, c'est celui qui sait servir, le leader qui est au service des autres, et le leader, c'est aussi celui qui va montrer la direction. Bien souvent, on est trop dans la réserve, trop dans la gêne, on n'ose pas défier ni bousculer le schéma de pensée des personnes. On va par exemple aller dans le sens de l'autre en permanence pour valider son schéma de pensée. Une personne qui vous raconte tout ce qui lui arrive de pire et qui pointe le doigt sur tous les autres a besoin que vous puissiez à un moment donné la défier dans sa façon de penser. Pas de façon brutale, mais de façon directe et bienveillante. C'est faire preuve de leadership. Une fois de plus, en posant des questions. Ce ne sont pas des affirmations que vous devez dire, mais bien des questions qui aideront la personne elle-même à réaliser qu'en réalité, que ça ne peut pas être tout le monde qui l'en veut pour exactement la même chose. Il y a probablement un autre élément qui peut être ici trouvé et justifier cette situation. Là, ce sera un moment très précieux dans votre conversation où la personne fera... Ah, elle aura compris quelque chose. Elle aura renversé certains schémas. Et c'est à ce moment-là qu'elle verra en réalité que ce qu'elle a fait ne fonctionnait pas et parce qu'il lui manquait certains points, certaines pièces du puzzle. Et là, en une seconde, vous venez de lui apporter quelques pièces supplémentaires et vous venez de lui faire voir quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu avant. Ça fait toute la différence et c'est ce qui lui donnera envie ensuite d'aller plus loin et de vouloir se dire oui à elle-même. Et puis enfin, cinquième raison, c'est un manque d'urgence. Un manque d'urgence, on a tout le temps pour le faire. Pourquoi est-ce que je ferais ça maintenant si j'ai tout le temps? Et l'urgence n'est pas comme vous le feriez sur Internet en disant « vous devez le faire aujourd'hui, sinon c'est la fin du monde ». Vous ne devez pas dire « si vous ne le faites pas aujourd'hui, mon prix va changer demain ». Ce ne sont pas ici ces approches et techniques d'urgence marketing dont je parle dans une conversation d'influence. Non, l'urgence doit être créée à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas vous qui devez imposer l'urgence. Vous devez poser les questions nécessaires pour que la personne elle-même réalise l'urgence dans sa vie, dans sa situation. Et ça peut passer par des questions importantes comme « et dites-moi, qu'est-ce qui se passerait si dans 6 mois, dans 1 an, la situation par exemple n'évoluait pas, voire pire, si maintenant vous vous réveillez un matin dans 6 mois ou dans 1 an et vous voyez ceci ce matin. Dites-moi, si nous étions 6 mois jour pour jour à dater de maintenant et que ça arrivait, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Comment vous vivrez les choses? » Et on peut creuser dans la profondeur encore et encore. L'objectif ici n'est pas de laisser la personne éviter cette question, mais c'est de l'inviter à véritablement regarder les choses dans le blanc des yeux. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est que si elle ne décide pas de se dire oui à elle-même,
avec vous ou à quelqu'un d'autre, 6 mois plus tard, elle vivra cette même situation. Et votre objectif, c'est de la servir, c'est de lui montrer que ça, ça va arriver, ça risque d'arriver. Et si maintenant, on doit faire quelque chose, c'est maintenant. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y a aucune raison de faire les choses. L'être humain est assez paresseux par nature. S'il n'y avait pas de temps imparti, on prendrait beaucoup plus de temps à chaque fois pour faire les choses que nous devons faire. Et si on prend cette loi de Parkinson qui dit que nous remplirons toujours l'espace-temps dont nous disposons, si on a 6 mois pour le faire, on le fera en 6 mois. Si nous avons 6 ans pour le faire, on le fera en 6 ans. Et si nous n'avions que 6 heures, nous le ferions également en 6 heures. C'est très important de pouvoir prendre conscience de ça et d'échanger dans les conversations d'influence pour que votre futur client puisse se dire oui avec leadership. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 raisons pour lesquelles un client potentiel pourrait se dire non lors d'une conversation d'influence au téléphone avec vous. Premièrement, parce qu'il ne ressent pas l'intention de servir. Vous avez besoin ici de poser votre intention sur cette idée d'apporter de la valeur ajoutée et la suite viendra par elle-même. Deuxième raison, c'est un manque de clarté. Vous avez besoin de créer de la lumière, un moment de prise de conscience, de clarté absolue lors de cette conversation. Troisièmement, manque de profondeur. Vous avez besoin de vous autoriser à défier la personne avec bienveillance pour qu'elle puisse s'ouvrir et d'aller dans un niveau où vous n'avez pas encore été avec elle, où la personne n'a peut-être même jamais été avec elle-même. Quatrième raison, manque de leadership. Là, vous avez besoin, ici, à un moment donné, de prendre par la main et d'avancer, dire « Ok, voici la route, c'est le leader qui a la vision, voici la route, je vous recommande de la prendre. » Ensuite, c'est vous qui prenez cette décision, mais c'est ma recommandation avec leadership. Et puis, cinquième raison, un manque d'urgence. Et là, vous avez besoin de créer cette urgence en interne chez l'autre et non pas avec des artifices marketing, mais bel et bien en posant les bonnes questions qui créent cette urgence et qui donnent envie à la personne d'agir maintenant, tout de suite. Pour faire la différence. Grâce à ces 5 raisons, vous pourrez être plus alerte lors de vos prochaines conversations d'influence. Mais si vous voulez savoir comment ça fonctionne dans les coulisses, exactement un cas pratique, et si vous voulez développer votre propre business de coaching et de transformation, je vous invite à fixer un rendez-vous avec un membre de mon équipe, un conseiller Kiax, le lien est probablement dans la description, ou alors aller découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour attirer de parfaits inconnus et de les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine grâce à la puissance du digital et la puissance ici d'un système simplifié. Les liens sont en description, il suffit simplement de cliquer et dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation pour suivre et regarder les formations offertes. Et puis, si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, écrivez le mot « leadership » au bas de cette vidéo. Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez télécharger cette synthèse au format PDF. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette page, le pouce bleu. Ça dure 2 secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et puis, activez la petite cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Qu'avez-vous trouvé de plus pertinent dans cette vidéo? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger davantage avec vous. Recevez toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. À très vite. Merci.